tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as conscience de la pure intelligence qu'ont les enfants. Je m'appelle Nathalie Butorajac, je suis maman d'une merveilleuse petite fille, Sydney, qui a 8 ans. Je suis passionnée de développement personnel depuis l'âge de 17 ans. L'idée du projet, en fait, c'est de créer une chaîne YouTube de développement personnel pour les enfants, avec des capsules vidéo de personnes authentiques, adultes ou enfants, qui s'adresseraient directement aux enfants. Les neurosciences aujourd'hui nous révèlent l'incroyable potentiel de l'enfant. Le verbal dans la communication ne représente que 7% de la communication. Les enfants ont cette incroyable capacité à comprendre et à intégrer les 93% restants de la communication, en étant pleinement dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Ce que beaucoup d'adultes ont perdu, trop préoccupés en étant dans l'instant d'avant ou l'instant d'après. Jean Epstein, psychosociologue, nous parle de déclic à travers l'authenticité. Les enfants sont très sensibles à cette notion d'authenticité. Donc l'idée, en créant cette chaîne YouTube destinée aux enfants, c'est de leur offrir un contenu vidéo de qualité, en créant une vraie relation de confiance entre les adultes et le monde qui les entoure, en abordant les thèmes suivants. Les émotions, la confiance en soi, le respect de soi-même et des autres, privilégier des valeurs d'entraide et de partage, plutôt que la compétition qui amène à la comparaison, de voir l'autre à travers ses talents plutôt que ses différences. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, d'oser, de s'ouvrir au monde et à la vie, de comprendre comment fonctionne notre cerveau, de développer notre estime de nous, oser faire des erreurs et en tirer des apprentissages, de faire la différence entre un comportement et l'être, de refuser les étiquettes, de ne pas rentrer dans un moule. L'idée, c'est de faire confiance à la pure intelligence qu'ont les enfants. L'idée, c'est d'avoir envie d'être en vie, d'avoir des rêves et de les réaliser. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'interroger ton enfant intérieur, d'aller dans les coulisses de ton enfance, dans tes expériences, pour trouver qu'est-ce qui aurait pu t'aider. Quel message aurais-tu aimé entendre, enfant, qui aurait eu du sens pour toi? Qu'est-ce qui t'aurait aidé à développer tes talents, ta confiance en toi, en la vie, pour devenir la meilleure version de toi-même? Et pourquoi pas te réaliser une courte vidéo à destination des enfants sur ce thème bien précis qui a du sens pour toi. Si aujourd'hui tu avais 3 conseils à donner aux enfants sur la vie, quels seraient tes 3 conseils? Si ton enfant avait 3 choses, 3 pépites, 3 graines d'intelligence à partager avec d'autres enfants, quels seraient-ils? Tu peux m'envoyer tes vidéos à l'adresse mail que tu trouveras à la fin de cette vidéo. Partage autour de toi cette vidéo. J'ai beaucoup aimé le film « Un monde meilleur » avec ce petit garçon qui explique qu'en faisant seulement 3 bonnes actions et en demandant à chacun de passer le relais, le monde peut changer. Beaucoup de gens s'intéressent à la politique avec l'espoir que le monde va changer. Pourquoi ne pas avoir une vision à plus long terme? Même si les enfants ne représentent que 20% de la population, ils représentent 100% de notre futur. Les enfants sont les adultes de demain. J'ai confiance en l'humanité. Si on change tous individuellement, l'humanité va changer. J'ai cette certitude qu'un monde meilleur commence par l'élévation que l'on peut offrir à nos enfants. Nous pouvons mettre nos compétences en commun, nos talents, notre créativité au service de la vie des enfants pour créer ensemble un monde meilleur. Il est plus facile de construire des adultes solides que de réparer des adultes brisés. C'est notre responsabilité individuelle en tant que parents, en tant qu'adultes responsables, de révéler les talents de nos enfants, leur ingéniosité, leur créativité, de libérer leur plein potentiel pour leur permettre de devenir la meilleure version d'eux-mêmes et de transformer le monde avec eux. Vous avez des diamants sous vos yeux tous les jours. Soyons créatifs et proactifs en devenant ambassadeurs de ce projet d'un monde meilleur en créant ensemble ces capsules vidéo aux enfants. Fais partie de l'aventure, mon ami, pour rendre le monde meilleur. Envoie-moi tes vidéos. Bon, si t'as bien compris, envoie-nous tes vidéos pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et à très bientôt. Yes! Allez, fais partie de l'aventure. Envoie-moi tes vidéos et à très bientôt. Bye bye! Privilégier les valeurs de partage qui a...
de la compétition qui amène à la comparaison.